dans la boîte là, lui ramasser tout alcool net. Et tout le monde, c'est des gens qui ont noyé dans la corruption. Nous, en tant qu'employés NDH, premier bagage nous te dit, directeur Jean-Yves Mose, nous te dit, directeur, quelqu'un soit monde qui vient là aujourd'hui, qui n'a pas aider nous et tirer boîte là dans la situation liée, il peut aller. Et aujourd'hui, nous déposons plainte depuis août 2022 dans l'ILCC par rapport à gabegie administrative, corruption qui a fait dans la boîte là. Nous avons gagné 4 millions de dollars pour projet réseau provinciaux et comme ça, nous sommes là pour réhabiliter tout réseau provinciaux. Jean-Yves Mose est fini, il a boulé 4 millions de dollars américains. Ça n'est pas fait. Nous avons presque 180 millions de dollars et matériel qui était à terre. Tout n'a pas gagné. Et nous avons dit, chantier qui fait, tout le bagage a disparu. Ça veut dire que nous avons bagage ça, nous avons mis dans le bail privé. Je dis à nous-mêmes, nous avons envoyé un document par ILCC qui a 34 cas de corruption qui ont fait en deux boîtes là. Côté nous avons crasé magasin, côté nous avons crasé toute institution, nous avons envoyé le bail ILCC, nous avons porté plainte, nous prenons. Nous ne prenons pas de nous à déboire en tant qu'employé, nous dénonçons tout le bagage. ILCC, nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est parce que nous avons une association avec Jean-Yves Mose, nous ne pouvons pas faire cas des dossiers EDH. Nous avons tout dossier, nous avons un dossier SNDRS qui a 5 millions de gouttes là-dedans. Et nous avons arrêté les gens, nous avons un BMPAD, tandis que EDH a 4 millions de dollars américains qui disparaissent. Et il y a près de 180 millions de dollars matériels qui disparaissent. Nous, ILCC, bien qu'on ait des gens en tant que cadenas de boîte là qui viennent, qui peuvent exposer, et il y a un document qui m'en amène, nous voyons la regarder. Eh bien, pas jamais de suivi qui fait ce dossier de l'achat. Est-ce que c'est parce qu'il y a un monnaie? Nous ne connaissons pas. Eh bien, pas directeur ILCC a dit nous, est-ce que Mose, comme il dit Mose, c'est mon compère? Nous avons besoin qu'on ait un dossier EDH qui compte le faire avec. Merci beaucoup. Donc, nous venons demander pour l'ILCC enquêter sur ce qui a passé dans l'EDH. Non, dossier enquête là, résultat enquête EDH là. Parce que l'étendue de tout le monde honnête. L'étendue, l'étendue, on a un bureau. Il n'y a pas de faire cas des dossiers. Nous avons besoin de résultat EDH là. Depuis qu'il est au distance de commencer. Août 2022, nous avons voté plainte pour vous. Depuis août 2022, je dis un pas jamais rien fait sur le dossier EDH. Est-ce qu'il y a quitté Mose aller comme ça en tant que un monde qui était passé droite dans cette boîte là? Eh bien nous-mêmes nous dit même les Mose pas dans cette boîte là n'a porté plainte et n'a poursuivi devant la justice pour mal lui faire boîte là. C'est qui est? Même c'est Stéphane Patrick, un cadre de boîte là. On salue la presse en général. Moi-même c'est coordonnateur Cyril, secteur des employés révoqué et large. Je dis à nous venir de l'État, nous venir de l'ILCC, nous bouquer. Parce que charge nous gagne sous nous en tant que CRL. Pour quand cet emploi est révoqué, nous gagnons 2400 de jour en jour. Je dis à nous pas de capacité pour nous recevoir encore. Ça pour comprendre dans le pays, à chaque fois révoqué un monde, son famille, son équipe. Nous même dans CRL, des fois, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons des jeunes garçons comme ça. Deux, quatre. Et pas révoqué normalement, non, parce qu'il a déclaré que la corruption est dans la boîte. Le directeur général choisi pour faire toute révocation. Okay? Il fait des annonces avec des autres employés pour ne pas venir dans le site, pour ne pas parler, pour le marquer révoqué. Je dis à nous-mêmes dans ce réel, nous venons dire ILCC. Et tout le monde qui est concerné dans le pays, nous ne sommes pas capables. Dans l'état pays, nous ne sommes pas capables de des gens qui vont le déplacer toujours. Il faut révoquer des jeunes garçons, des gens consacrés dans le job, parce qu'il y a parlé de corruption. De corruption permettent plusieurs autres personnes ne pas fonctionner, pas qu'à travailler. Je dis avant nous un mot. Vous comprenez, c'est ça, moi-même qui viens moi-même en tant que coordonnateur CRL, je vais participation dans ce site ça, parce que nous pas qu'à Québec encore. Nous ne pouvons pas qu'à l'emploi révoqué là. Mais on a la rue, ils ont en battant, ils ont un problème. Je dis, est-ce que nous allons mettre nous ça? Mais c'est ça qui sont demandés à l'ULCC. Nous demandons à l'ULCC pressé, pressé, pour faire action. Et d'ailleurs, tout nous demandons pour le gouvernement là. Action pour ça, qui ça?
Et nous avons l'argent de mettre pour nous, nous pouvons même gagner pour nous aider à employer révoqué à une série de subventions. Je dis à comment nous gagnons. C'est la notion de la société. Si vous avez la PAC à vivre, vous avez l'aider. J'en prie, mais c'est pour protéger au mari. C'est ça qu'on a cité dans le petit comme ça. Ok, mais il va devoir l'ULC, c'est pour arrêter vous. L'ULC, c'est enquêter pour le compte de la justice. Oui, c'est ça, nous disons, vous voulez depuis le pôle pour te plaindre. Il va arrêter, mais depuis le pôle pour te plaindre. La justice, ça va arrêter. C'est tout normal, mais c'est ILCC qui vient droit pour faire des matchs ça. Nous-mêmes directement, nous ne pouvons pas nous arrêter. C'est ILCC, nous votons plein, ils ont voté plein déjà. Il y a ILCC qui est pour nous voir, pour voter là devant la justice. Arrêtez. Alors c'est raison à ça. D'abord, frère. Merci. Bon, c'est qui est-ce? C'est Jean-Ronald, coordonnateur Sirène. Jean-Ronald. Coordonnateur Sirène. C'est que des employés révoqués qui l'ont. Et lui-même qui fait l'organisation? Non. Non, c'est employé révoqué avec syndical. Moi-même, je vote pour ça. Nous venons devant ULCC, nous venons relayer en moi, nous venons dire que nous ne sommes pas capables encore. Là, nous considérons qu'il y a deux ans depuis nous déposer plainte parce que nous avons identifié plus de 34 cas de corruption, nous déposer par ULCC. Mais malheureusement, ULCC n'a pas fait rien jusqu'à ce que le problème vienne quatre fois plus grave. Quand il y a là, Jean-Éwal Moros tellement sorti, lui de droit. Lui tomber, révoquer des employés de cadre qui pas d'accord avec lui dans la question vol à corruption. T'as imaginé que Jean-Éwal Moros a une administration, nest mette directeur administratif là, pas qu'on a rien en administration. Son nest qui a marché pour éclairer, oui, tout oui, oui, c'est tout c'est le monde. Donc, on va imaginer, moi-même, je travaille du côté de Petit Coave. Tandis que une lettre de révocation vient de moi, comme nest qui fait abandon, c'est mal. C'est juste pour montrer que même mal là, les nègres font, ils font mal. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes nous venons là. Ce n'est pas parce que nous avons quoi que ce soit de personnel avec Jean-Éwal Moros. Mais tout simplement, étant donné que EDEA c'est un patrimoine national qui est là pour desservir toute population, nous sommes capables de craser et de disparaître dans cette situation. Nous prenons courage à demain. Nous venons dire Gary Conille en tant que premier ministre pays. S'il parle de corruption, dégagez-le, écartez-le de Jean-Éwal Moros. Nous venons dire également. Architecte Leslie Voltaire, qui est un conseiller présidentiel, qui a fait visite dans l'EDH. S'il n'y a pas de corruption, décollez derrière Morose. Parce que Morose, son chaque chapon que lié, quel que soit contre moi, la salle. Et ce n'est pas la première fois que Morose entre en accompagnant, il vient faire des situations malhonnêtes. Mal il était entré une première fois. Il est entré une deuxième fois, nous perdons. Et central nous dans Vareux, parce que le devant nous. Donc je ne veux dire, ce n'est pas un comme si nous avons tout là, monsieur, son client ULCC que lié. Ce n'est pas le premier dossier. Jean-Éwal Moros qui est dans l'ULCC. Mais cette fois-ci nous dit que même si Jean-Éwal Moros a la fièvre, il couché dans la cabane de la Cali, il mourit. Mais nous-mêmes, les employés de l'EDH, nous poursuivons le cadavre jusqu'à ce que Bagala la justice pour que Jean-Éwal Moros réponde à la question de la justice des actes qu'il fait en dedans pour compagnie. Merci beaucoup. Bravo, 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 bravo. Pour beau sale qui va nous sacler dans même là. Par on va en parler à ces grands monde au travail. Et peut-être ça nous même jour les jodi a nous révolter pour demander président Aristide génération ça faut que nous travaille parce que faut petite nous à l'école faut que nous dormir nos belles cages faut que nous fonctionner. Et nous pas banquer pas qu'un petit diaspora qui chite à l'autre bord qui fait nous paix. Même tes campagne de ambassade américain diaspora va tenir nous parce qu'Aristide pas là il était juste en Afrique. Je vous le dis, les autant de nous prendre le mouvement, ils ont tout commencé à plaire. Il y a des gens qui peuvent acheter des cas, il y a des gens qui peuvent des salines, il y a des ceci, mais ils ne pas reconnaître nous-mêmes. Nous faisons connaître nous dernier temps, Apocalypse 666, à la déjà, Aristide t'a dit, nous tout en est un homme, pas un garçon, pas un garçon. Et Aristide dit dans le livre ça, décolonisation, mentale.
Parce que nous, tant que nous mettons des esclaves, chaque 9 pieds nous, nous coupons les cannes, nous plantons les cafés, nous faisons tous les bagages, mais nous pas qu'à manger un petit calme. C'est plus gros poison pour nous. Dans le livre, je vais mettre un récit. Ça veut dire, nous ne pouvons pas occuper une salope. Après, mon Dieu, c'est pour son. C'est Aristide qui fait la parler devant le monde actuellement. Oui! Aristide va nous parler devant le monde, même quel que soit niveau de. Quel que soit niveau de, le grand monde l'auteur, pas qu'à camper de vos presse là pour la parler. Pas le paix! Jamais! Il pas décoloniser! Nous ne pas qu'une salope qui a fait nous paix, là nous parler avec papa. Jamais! Là nous grand monde a demandé papa nous manger, nous ne pouvons pas que c'est esclavage! Qui l'autre bon, qui a pu nous lancer. Nous parlons avec eux. Nous parlons avec Jasper. Après l'éternel, Aristide s'est levé dans toute la safari. Déjà. Oui, je veux déjà dire, si nous parlons pour grand goût, on est venu pêcher nous. Pour nous parler pour grand goût, nous regrettons ça pour lui. Parce que même il y a les États-Unis, il y a pour eux quoi bah madame, il y a pour eux quoi bah ses amis, il y a pour eux quoi bah Clint, yo père, les eux Clint ça on parle dans la presse pour y aller parler, mais pas et pas pour nous venir parler à Aristide mal, jamais, pas les problèmes, jamais, n'a pas tiran de ghetto. Aristide pour la vie. Mais c'est nous grand goût en pile, nous allons laisser partir à tout. Non, 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 Pi gros coup de couteau. Pi gros coup de couteau nous tabay Haïti, Aristide Haïti. C'est l'escorte ça par là même. N'a fait le choix. Vous pas d'accord? Elle non à ça. Green à ça par là encore. Haïti. Haïti. Nous tirer Aristide Haïti même tout fini. Tout fini. Parce que longtemps, nous ne prenons nous, y'a pas nous 1000 gouttes. Pour nous pour eux. Mais Aristide est payé de l'église catholique, on est qui paie. Paix catholique, oui. On est qui connaît sacré les paix, regardez le grand livre pour qui ça compte paix catholique. Si toi en Haïti, si elle vient jouer nous, c'est qu'elle a l'autre bagaille de l'église pour qu'on découvre l'autre mission. L'homme est blanc après le défaut, et parce qu'elle est philosophe, ça Aristide a là pour nous tous jouer là, pour nous intégrer dans l'État, pour nous fonctionner là, il a fait travail ça, il a pris des fois pour démobiliser la menace. C'est même j'ai une équipe qui vient voir Aristide, là où Aristide met à l'aide. Je dis oui, président Aristide, tout bagaille à pâcher. Si, parti, après 2004, d'après l'armée, votre monde est toujours comme ça. Elle toujours été comme ça. Yo ba nous job, mon mari c'est pas mon job, moi-même. Mari c'est elle même non, quoi, pas mon lettre. L'élu elle même quoi, pas mon lettre, dit attention. Nous sommes des prisonniers des hommes qui font le travail ici tourner. L'homme a mon lettre qui a payé mon 3000 gouttes. On s'en va pour nos 6000 gouttes, mon 4000 gouttes. J'avais 4000 gouttes, ça va faire pour moi. Je vais madame pour qu'il y ait un caravane. Je vais petit avec, mettez à l'école. Yo tout connu. Je vais deux petites filles. Il y a qui va se finir, il y a un qui vient au niveau. Claire Marina, ça veut dire que si tu dis bonjour, si nous t'allons vers nous, tu n'as pas là, toujours faire effort, voir petit pour l'école, parce que bon bagage qui est pour venir derrière. Je ne dois pas qu'à travailler, petit pour fonctionner. Voyons, je ne dois pas qu'à fonctionner, petit pour fonctionner. Voyons, je ne suis pas volté dans la capitale, je suis pas volté dans la capitale. Je suis volté. Enfin, pas tout. Où est le bon papa? Je vais mettre mon chef, si tu es en Haïti. Ça n'a pas pour aller des savants. Des poils sous eux comme ça, Yannick Bourg, c'est le même. On dit chaque 30 000 gouttes de barreau, il t'allait reprendre, il ne faut pas que chaque nom est ici d'abord. Parce qu'il y a une mission. Il y a une mission avant 2004, après 2004, la mission est toujours là. Oubliez nous, oubliez moi. Quel que soit mon Aristide, mettez là, il n'est pas avec nous, on sait avec Aristide. Il a passé maintenant pour Aristide, mais puis quoi, traite passé. Coup de traite, coup de traite. Aristide, c'est mon aveugle. Il n'y a pas qu'à prendre des fois, c'est même lui-même qui a fait du téléphone, qui a pris les blancs, Aristide, mais tu m'as rien dans le pays. Aristide, même les peuples à mon chino, c'est même lui-même. Ou pas, après 2004, Aristide finale, il a pris tout le temps, il a passé au pouvoir, et tout le temps 2004, il a mis à gérer. Gardez sa crivaille. Gardez sa crivaille. Gardez sa crivaille. Gardez sa crivaille. Ou même qui a pris ça dans le monde, qui est bien fort.
Moi-même, je vais téléviser nous que belle fois, parce que c'est le coup de petit pour manger. Mais si vous avez un haïtien ici, qui est en tête, il n'y a pas de décoloniser tête. Il y a toujours des langues françaises après l'esclavage, dans le sang, dans l'estomac. Il n'y a pas de chambres en nous, parce que nous-mêmes, nous avons une vision, c'est pour Haïti, une belle, même pire, parce que c'est nous-mêmes. Nous avons tout le monde dans le pays pour faire ça. Haïti, plus belle, plus belle, plus belle, plus belle, parce que les États-Unis. Nous pas comme Washington, Washington. Oh, Washington lui-même son fait. Bon Dieu est pour le créer, parce qu'elle signe loi Massissi, des garçons qui sont mariés et des femmes qui sont dans la caille. L'éternel est là. L'éternel est aussi à côté. Ou pas là aussi à avancer Pipel. Là aussi à avancer Pipel américain. Parce que loi Massissi a aussi un bon Dieu qui est en bas au dos. C'est le Massissi. Parce qu'à chaque pouvoir qui nous dit, nous toujours dit le pouvoir monter selon nous, mais nous-mêmes nous n'avons pas besoin de rien là-dedans. Je veux dire à même Moussa qui toujours a projet, qui toujours a boire, qui toujours a fait famille, dans l'État, côté que nous-mêmes cap boulet, cap gaz, cap balle, nous n'avons pas besoin de rien, c'est eux-mêmes qui baillent nous voir PHTK, ce n'est pas qu'il y a PHTK. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le SDP, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le SDP. Nous-mêmes, nous avons dit, nous n'avons aucun mouvement qui a fait contre le docteur président Jean Bertrand. Quoi? Jamais! Jamais! Et nous-mêmes, militants qui là, parce que si nous-mêmes, nous avons un mouvement qui est contre le président ici, on est absolu de là, nous allons mettre une machine pour appeler le docteur de nous. Nous sommes ensemble.
nous pas obéi, nous pas trahi, nous pas fait la balle. Nous pas obéi devant avec famille la balance, les gars.